Film qu'on aime beaucoup et vous aimez beaucoup Louise Grimbert dans voilà. Cette fille. Il y a presque une grosse partie de l'histoire qui est vraie, puisqu'en effet, c'est bien à Cannes que j'ai découvert le film. J'ai bien croisé Nicolas après. Une partie a été peut-être un peu inventée. Un petit peu. Un tout petit peu. Non, vraiment, ça fait partie de ces premiers métrages où on ne se dit pas que c'est un premier long métrage. Un, parce que l'histoire, donc ces filles qui veulent accompagner dans la grossesse leur meilleure copine, est une histoire à la fois originale mais qui tient sur un format long parce que les péripéties sont là. Ensuite, parce qu'on découvre en effet beaucoup de comédiens à l'intérieur, dont vous. Et vous, c'est vrai, quand vous avez vu dans Entre les Murs, que parmi la bande d'Entre les Murs, on se disait, tiens, voilà quelqu'un qui, à mon avis, enfin moi, je pensais qu'on va retrouver. Et on vous retrouve là, en meneuse, et je trouve qu'il y a exactement ça, il y a une espèce de grâce absolument infinie lorsque vous jouez, piquant, et que ce... On a l'impression, vous aussi, que ce n'est pas votre deuxième long métrage, vous êtes là depuis très longtemps, et qu'en même temps, si on prend autant de plaisir à voir ce film, si on prend autant de plaisir à suivre ces personnages-là, c'est en partie grâce à vous, donc merci d'être là. Voilà, oh. Ça s'arrange. Voilà. Voilà. Toujours. Merci, allez, prends la parole, ça s'arrange. Ah bah, tout de suite. En quelque sorte, déjà une palme d'or. Ah bah oui, entre les murs, oui, palme d'or à Cannes. Eh ben oui, quand même. Allez, on regarde la bande-annonce de ce film à venir mercredi prochain et c'est donc l'un de nos coups de cœur. Regardez. À 17 ans, non, on n'est pas sérieux. On rêve. Et on a une énergie de dingue. Et personne ne peut rien contre ça. Alors vous avez un témoin, bon sur certains c'est deux petits points roses, un petit point blanc, ou alors un plus ou un moins. Donc... Mais on est obligé d'en avoir un chacune ou est-ce que c'est réutilisable? Ah non, 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 ils font un test à chaque fois et ça n'est pas du tout, du tout réutilisable. Bon bah on va en prendre bah 12. €560 avant la naissance et 748 après. Si on met tout en commun, on peut prendre un immense appart. En plus, 16 ans d'écart, c'est franchement idéal. On sera proche d'eux, on les comprendra et puis ils seront tous comme frères et sœurs. De ce que l'on sait aujourd'hui, nous en sommes à 15. 15 filles enceintes dans votre établissement et vous faites rien? Mercredi prochain, Thierry. Et la bande-annonce reflète bien ce qu'est le film. Voilà, elle ne ment pas. Est-ce que, après Entre les Murs, il était évident que vous vouliez continuer et enchaîner sur d'autres films, ou est-ce que c'est le hasard qui vous a conduit sur ce projet-là? Non, j'avais envie de continuer après Entre les Murs. Ça m'avait donné envie de faire ce métier, mais j'ai d'abord fini les études. La scolarité. Ouais. Voilà. C'était important de terminer les études avant de, voilà, d'enchaîner éventuellement, de continuer à faire du cinéma. Oui. Ouais. Sur 17 filles, donc j'imagine qu'il y a un casting qui a été organisé. Qu'est-ce qu'on vous a demandé? Comment ça s'est passé? Moi, je suis arrivée à la fin du casting, à la toute fin. Et on m'avait demandé des improvisations. Sur un sujet précis, non, pas du tout. Enfin, si, sur le sujet de la grossesse. Et elles m'ont, après, elles m'ont plus ou moins expliqué de quoi parlait le film. Et elles m'ont expliqué que donc, c'était tiré de ce fait divers. Et donc, moi, je me suis intéressée tout de suite au projet. Et voilà. Et au fait divers aussi? Et vous au fait divers. Faire quelques petites recherches? J'en avais entendu parler, non. Moi, je ne me suis pas du tout renseignée. Je savais juste ce qui s'était passé, mais je rien ensuite plus. Juste le scénario, comme juste le scénario, voilà. Lorsqu'on voit le film, on a l'impression, en tout cas, qu'on plonge vraiment dans les adolescentes d'aujourd'hui. Moi, je ne suis pas une adolescente ni d'aujourd'hui, donc étrangement non. Donc quand vous lisez, c'est pas ce que nous dit Nicolas Rey. Nicolas Rey ne dit pas toujours les choses. Entre toi et Éric Berriton dans La Boum 2, il n'y a pas non plus. Hélas, un peu. Qu'est-ce que vous avez ressenti vous en le lisant? Est-ce que cet aspect justesse et vérité du propos était là? Oui, au niveau de l'adolescence, ouais. Et de ce qu'on peut ressentir. Mais après, c'était un groupe d'adolescentes qui vivent à Lorient. Donc, elles n'ont pas les mêmes,
les mêmes préoccupations forcément. Enfin, il y a quand même cet ennui que moi j'ai pas forcément ressenti en vivant à Paris. Le fait qu'elle soit en province. Voilà, c'est ça. Ouais, ça change. Moi, c'est, enfin, ouais, c'est la différence que j'y vois en tout cas. Envie de sortir de sa propre condition. Ouais. Voilà le plan. Elles vont se retrouver toutes ensemble. Nouvel extrait de 17 filles. Je ne sais pas comment je vais faire pour lui dire. Heureusement qu'il y a la soirée de samedi, sinon c'est bizarre. Vous, au moins, ça va vous changer. Qu'est-ce qui t'empêche? Ça va pas? Vous avez qu'à faire pareil. Ça serait super. T'es sérieuse? T'imagines? On sera enceinte ensemble. On sera libre, heureuse, on sera responsable. Tout le monde nous considérera autrement. Ils feraient leur premier temps, école, tout ça ensemble. Naga ici samedi, elle a fait au blocos. Toi aussi. Samedi, elle a fait au silence. Ça serait délire. Génial, vraiment. Comme ça, on restera toujours ensemble. Ouais. Vous allez pas faire ça, c'est des conneries. Non. Ça va être dingue. Aussi la liberté dans le film. Et le film vaut beaucoup pour justement ce groupe de filles, l'entente qu'il y a entre vous toutes. Est-ce que avant le tournage, il y a eu beaucoup de répétitions justement avec la réalisatrice pour vous faire vous rencontrer et créer cette ambiance-là entre vous? Oui, on a eu une semaine de répétition avec un coach, surtout sur le corps et l'intimité qu'on peut avoir quand on est amis pour travailler ça. Et ensuite, on a répété deux semaines sur les lieux des décors. Et donc, on s'est créé une petite bulle pendant trois semaines à peu près où on s'est toutes rencontrées et connues. Et vous viviez ensemble. Et on soir, vivait ensemble. On passait notre vie ensemble. Ce qui a créé un espèce de climat d'amitié tout de suite, en fait. Vous n'êtes pas foutu sur la gueule pendant le tournage? Non. Vous êtes super bien entendu du début jusqu'à la fin. 17 gonzesses. Oui, je vous dis, 17 gonzesses, jeunes, ça se met sur la gueule. Il ne faut pas être misogyne. Non, on était misogyne. C'est une question, c'est pas misogyne. C'est une question. C'est une réalité. Non, non, on n'était pas 17 en permanence. On était 6. D'accord. C'est plus facile. La question, est-ce que ça vous paraît totalement dingue ce qu'elles ont fait dans la réalité? Vous avez 18 ans, vous avez tourné ça il y a un an et demi, vous êtes en plein dans l'âge du film, de ces vraies nanas qui ont décidé à 17 de tomber enceinte. Ça vous paraît... Comment vous le jugez, ce geste-là? Je le juge pas. C'est dingue, enfin je trouve ça dingue, mais je le juge pas. Et j'ai justement essayé de comprendre au maximum... pourquoi elle l'avait fait, même si je sais pas, personne ne sait vraiment finalement, mais en tout cas... Pour attirer l'attention peut-être quand même? Oui, peut-être entre autres, mais il y a plein de raisons qui les ont, je pense, poussées à faire ce geste-là, qui est quand même un geste très fort et qui m'impressionne, moi. Je suis assez impressionnée. La suite, Louise, c'est quoi? Vous avez déjà des projets, deux gros films, hein, 17 filles, ça va faire du bruit, oui. Entre les murs. Oui. J'ai eu un projet, un troisième film que j'ai fini, dans lequel j'avais un moyen rôle, on va dire. Avec qui? Qui était un premier long métrage de Cécilia Rouault, avec Denis Ménochet dans le rôle principal. Oh oui, Denis Ménochet. Non. Oui. Dans ta chambre. C'est celui qui s'appelait Je suis fait tout petit, c'était celui-là aussi. Oui, c'est ça. Ah, très bien, mais ça nous donnera l'occasion.